Jeff, qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui? Explique-nous un peu c'est quoi NASCAR. En fait, ici c'est l'entrepôt. On a un site web, vente en ligne, on vend partout dans le monde, principalement au Canada, un peu aux États-Unis. NASCARcollection.com, allez là-dessus. Et plus gros inventaire au pays. Et Enzo va personnellement s'occuper de votre commande. Oui, oui. Et s'assurer que tout est là. Exactement, le produit est en bon état. On a des plus grosses collections d'auto miniatures au Canada. On a au-dessus de 10 000 items en inventaire. On a beaucoup aussi d'enseignes, des reproductions d'enseignes rétro. C'est bien dans la mode, ouais. Le vintage un peu. Moi, je suis maniaque. Je suis maniaque, la PepsiCola là-bas. Que maintenant, un nouveau propriétaire de la pancarte PepsiCola qui est très, très hot. Exactement. Donc, ça, c'est très à mode, les garages, les man cave, décorations. Donc, ici, nous, c'est notre inventaire en même temps de notre site web. Donc, on vend en ligne tous les jours. Et puis, ici, on est ouvert aussi à tous les jours de 10h à 4h. Les publics peuvent venir directement acheter à l'entrepôt aussi. Ouais. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez quelques pièces de collection originales. Oui, oui, c'est sûr. On a un décor un peu. On se fait souvent demander les choses justement qui sont pas à vendre, des vraies pompes à essence anciennes. Ouais. Comme la pompe Texaco là-bas. La Golf. Une pompe. Celle-là, c'est de reproduction. Tu vois, c'est bien, elle est en bois. Mais on a des vraies aussi originales un peu partout affichées au plafond. C'est pour décorer, mettre un peu plus de, de thématique. Mais ceux-là sont pas à vendre. On les À moins que... Ça dépend tout d'un prix. Et voilà. Donc, si vous tripez sur les affaires vintage comme moi, ben, c'est-tu que ça se passe? Hey, je suis sur le bord de l'autoroute en plus, entre Québec puis Montréal, donc... Directement dans cette autoroute, c'est de la part de Maxi. Et voilà, donc arrêtez les voir! We will shut you out, we'll put you in doubt. If you think that you're special,